كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم نعمائه نعمة لمن ولمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار أما بعد أيها المؤمنون يقول عز وجل القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل القائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إخوة الإيمان تتمة لما ورد في الخطبة الماضية عن ما يسمى بالفرقة الناجية ووقع مثل هذا الفهم المغلوط لبعض الأحاديث على وحدة الأمة وعلى المحبة التي ينبغي أن تكون بين أفراد الأمة رغم ما قد يكون من الاختلاف خصوصا الاختلاف المباح لا إنكار في مسائل الخلاف بين العلماء المعتبرين Mes chers frères, mes chers sœurs, dans la continuité du prêche précédent où on a évoqué cette question dangereuse de la mauvaise interprétation de certaines de nos sources par des personnes non qualifiées, non savantes, qui vont justement à cause de ces mauvaises interprétations créer la zizanie, la désunion, la fitna, exclure certaines personnes de la religion, catégoriser d'autres personnes. Et on avait dit qu'il faut privilégier le bon jugement, privilégier le bon conseil, an-nasiha, avec ses règles de douceur, de bienveillance, d'amabilité. Et surtout, le respect de l'altérité, le respect des avis divergents, qui est une règle d'or dans notre belle religion. الذين يعتقدون أنهم هم الفرقة الناجية وغيرهم ضلال قلنا اعتمدوا على بعض النصوص وأولوها ceux qui ont prétendu à l'exclusivité et ont appelé à la rupture et à la haine se sont basés entre autres sur certains hadiths j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous quelques hadiths avec quelques versions parce qu'il y a plusieurs versions de ces hadiths en mettant l'accent sur à la fois le sanad et le matn. Le sanad c'est la chaîne de transmission de ces hadiths qu'ont dit les spécialistes du hadith muhadithin sur cette chaîne de transmission et le matn c'est le contenu, comment les savants spécialistes ont expliqué à travers les siècles ces hadiths là. Le hadith le premier ومن رواية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وعند أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة Premier hadith rapporté par Ibn Majah et Ahmed dans son Musnad, les enfants d'Israël se sont divisés en 71 groupes, sectes. Et Mahouma se divisera en 72. Ici, le hadith mentionne 72. Tous ou toutes en enfer, sauf une. C'est le groupe, Al-Jama'a. Deuxième hadith, cette fois rapporté par Muawiyah. بلفظ ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود الترمذي donc ici dans la version de Abu Dawud al-Tirmidhi il s'agit de 73
factions, 73 groupes. 72 seront en enfer et une serait au paradis et c'est le groupe. Tout d'abord, la chaîne de transmission de ce hadith. Les muhaddiths, déjà, vous remarquerez avec moi qu'il n'est ni dans le Bukhari, ni dans le Muslim. Aucune de ces versions, toutes les versions que les muhaddiths ont rapportées ne sont ni dans l'authentique de Bukhari, ni dans l'authentique de Muslim. Donc il n'y a pas d'unanimité, ça c'est le premier point, la première remarque, il n'y a pas d'unanimité sur leur sanad, sur leur authenticité. احتقال ابن حزم في الفصل وكذا الشوكاني في فتح رباني في الرسالة الثانية إنه ضعيف وزاد ابن حزم موضوع وقال الإمام الشوكاني أما زيادة كلها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين بل قال ابن حزم إنها موضوعة نقطة دابور الإمام الشوكاني الغرانت إمام dans son Fath al-Rabbani, il dit, attention, beaucoup de muhadithines ont dit que ces hadiths dans toutes ces versions n'est pas authentique. Ibn Hazm a même dit qu'il y a une partie qui est mandoua, qui est mensongère sur le prophète alayhi salam. Donc on parle de daif, on parle de mandoua, daif faible. Très bien. Shoukani a parlé aussi de cette ziyada, de ce rajout, tous sont en enfer sauf une. Elle dit non, ça n'existe pas. D'accord ? Ainsi, on voit la divergence des savants, déjà sur le sanad, sur l'authenticité. Ça, c'est un point très très important, mes chers frères, mes chères sœurs, pour la personne qui est intelligente. Déjà, divergence sur sanad, sur l'authenticité. Deuxième chose, les savants ont écrit des épîtres, rasa'il, pour expliciter ce hadith. Là, je fais un peu l'avocat de ceux qui ont rendu le hadith authentique. Alors, on est passé par d'abord l'authentification. On a dit, oui, certains muhadithis ont dit qu'il est daif. Et surtout le rajout que je vous ai dit. Très bien. Maintenant, si on suppose qu'il est authentique, si on va dans le sens des savants qui ont dit que c'est authentique, alors on a des épîtres qui ont été écrits par plusieurs savants sur le sens de ce hadith. Je vous conseille celui de l'imam al-Ghazali, Hujjat al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali, qui apporte des commentaires très très intéressants, édifiants, dans son kitab Faisal Tafriqa. Faisal Tafriqa qui a été traduit en français par l'épître de la tolérance. L'épître de la tolérance. Très très important. Je vous conseille de le lire et de le relire. Et je vais dire juste quelques mots en bref sur la bonne compréhension. Mes chers frères, mes chères sœurs, le hadith, il est authentifié, hadith al-Khabari, il nous informe sur un passé et un futur. Oui, les gens se sont dispersés. Il y a des gens qui ont dévié du droit chemin. Ça existera toujours. C'est l'humain. Ce sont les dérives humaines. Le prophète, alayhi salam, nous a informé que oui, il y aura des dérives après lui. Oui. Mais qui es-tu pour qualifier tel groupe ou telle personne d'erroné, d'égaré, de khobori, de mouché, polythéiste, pire encore. Vous voyez, qui es-tu? Tu as quelle habilitation? Tu es un qadi, un magistrat? Tu es un grand savant de la Ummah. Et dans quel but tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour exclure par haine de l'autre? Ou est-ce que tu fais ça par amour pour l'autre, pour le ramener vers la bonne voie? Auquel cas, on avait parlé de l'in. Ou l'élahu qawla l'in, même au Pharaon, quand Allah a envoyé Moussa et Pharaon, il leur a demandé d'utiliser la belle parole, la douceur. Donc qu'est-ce que tu cherches? Et s'il s'agit de savants, est-ce que tu connais leurs arguments avant de leur répondre et les classer dans telle ou telle catégorie et de dire qu'ils sont hérétiques, bid'i, où va-t-on? Donc il est très important d'être dans l'humilité, comme on a dit la dernière fois. Et je donnerai deux exemples, encore une fois, du comportement des salafs, des pieux prédécesseurs, face aux mukhalifines.
face, cette fois même aux vrais sectes qui se sont détournés de la foi d'Allah. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه ومقتدي إخوة الإيمان قلنا نتواضع لله رفع قلنا الإنسان يزين نفسه قبل أن يوزن ولا يتتبع عبارات إخوانه فيفضحه الله في عقر داره وتسوء خاتمته. Tout d'abord, on avait dit, c'est un conseil précieux que nos chouyoukhs nous ont donné, concentre-toi sur tes propres défauts, ne cherche pas les défauts des autres, car même toute une vie ne te suffirait pas pour t'auto-réformer. Donc reste humble, mon cher frère, ma chère sœur, et si tu remarques quelque chose qui n'est pas bonne chez ton frère, utilise le bon conseil au lieu d'aller sur Internet pour faire tes mises en garde et pour créer la zizanie et la fitna, et pour justement salir l'image de tes frères et des sœurs, et parfois même salir l'image de grands savants, par pure ignorance, et par orgueil, et par ta'assob, par extrémisme. Ta'assob à la vie de ton cher, ou à la vie que tu as compris, ou que tu as cru comprendre. Nous avons quelques exemples. Déjà, oui, à l'époque des compagnons, les compagnons ont divergé sur beaucoup de choses. J'ai fait un séminaire avec quelques savants sur ce qu'on appelle les divergences des compagnons. Ikhtilaf al-Sahaba. Ibn al-Qayyim a fait une liste exhaustive sur ces ikhtilaf, sur ces divergences entre les savants, même dans des notions de aqida, comme la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce moment, Aisha et Al-Abbas, et Abdullah ibn al-Abbas, ont divergé. Est-ce qu'il l'a vu à l'issue de la nuit ascensionnelle avec les yeux de sa tête ou avec son cœur? C'est une divergence connue. Ni Abdullah al-Abbas n'a insulté Aïcha en disant qu'elle est bid'a ou qu'elle est je ne sais pas quoi, ni Aïcha a insulté Abdullah al-Abbas d'un quelconque sobriquet, d'une quelconque injure. Très bien. Quand le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a envoyé un groupe de compagnons vers un village de Banu Qurayda, en leur disant de ne faire l'Asr, la prière de l'Asr, qu'à ce village, chemin faisant, les compagnons ont divergé parce que l'Asr allait sortir de son temps. Une partie l'a fait en son temps, en interprétant le hadith du prophète, alayhi sallam, et une autre l'a fait en arrivant au village, littéralement comme le prophète, alayhi sallam, l'a dit. Et quand ils sont revenus vers le prophète, ils ont montré au prophète leur divergence. Et le prophète a donné raison aux deux. Aux deux. Ça, c'est une preuve que l'imam Jouaïli dans ses waraqat apporte pour dire, écoutez, l'ijtihad, chez les savants, pas chez n'importe qui, les savants qui ont l'habilitation pour l'ijtihad, oui, quand ils font un ijtihad et qu'ils ont des avis divergents, il faut les respecter. Il faut les respecter, parce qu'ils ont une récompense, même s'ils se trompent, ils ont une seule récompense, ils ne se trompent pas, ils ont deux récompenses. Donc, restons vigilants, humbles et respectueux de l'avis divergent. Ça, c'est une règle importante. L'imam Malik, quand il a terminé son Muwatta, livre de hadith, connu et reconnu, où il a mis des hadiths authentiques, le khalifa, le calife de l'époque, est venu le voir et lui a dit, oh, Imam Malik, l'imam de Médine, on va prendre ton livre et on va l'imposer partout dans le monde musulman. Si l'imam Malik était quelqu'un qui aimait dunya, qui aimait le jah, qui aimait le pouvoir, qui avait un ego, comme certains démesurés, ça aurait pu être une très bonne nouvelle pour lui. Faire de son livre le livre référence partout dans le monde. Waouh! Quel privilège! Qu'est-ce qu'a répondu l'imam Malik? Il a dit non. Je ne veux pas que mon livre, mon Muwatta, soit une référence dans le monde musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres compagnons qui ne sont pas restés à Médine, qui ont voyagé vers le Koufa en Irak, vers Sham, vers Yémen, et qui ont propagé d'autres hadiths qui peut-être ne sont pas ici. Donc il y a d'autres vérités, autres que ma vérité. Vous voyez l'humilité du personnage? La différence entre ce salaf,
ce pieux prédécesseur au sens vrai, historique, noble du terme, et les gens qu'on a aujourd'hui. Dès qu'ils apprennent un hadith, ils sont arc-boutés, ils croient que c'est la vérité absolue, il n'y a pas autre chose. Deuxième exemple. Toujours avec l'imam Malik, l'imam de Médine. On lui a dit, le pouvoir en place lui a dit, Al-Khawarij, on va les tuer. Donne-nous l'autorisation, on va les exterminer. Parce qu'ils sont koufars. Le Malik, il a dit non. Mine al-kufri farro. Voyez la sagesse de l'imam. C'est de la mécréance qu'ils ont fui. Ce ne sont pas des mécréants. Il n'a pas fait tekfir. Il ne les a pas rendus mécréants. Malgré que les Khawarij se sont distingués par leur compréhension littéraliste dangereuse. Ils ont tué des compagnons. Certains remontent cette parole de l'imam Malik à l'imam Ali, Abi Talib, face aux Khawarij. Min al-kufri farro. Voyez la sagesse. Même si ces gens-là, c'est vraiment des sectaires, il ne les a pas exclus de l'islam. C'est ça la sagesse. C'est ça la profondeur de notre religion. Ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, méfiez-vous des fauteurs de troubles. Rouaybira, Rous al-Juhal, qui sont là en train de fragiliser la Ummah. Comment tu l'emmènes au feu? Juste parce que tu diverges avec elle sur un point de vue doctrinal. Ou parce que tu as vu quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Et tu prétends que toi tu es sur la sunna et eux ils sont sur la bid'a. L'humilité, mes chers frères, mes chères sœurs, et le respect des savants et l'apprentissage continu. Quand on est humble et quand on respecte les savants, on est dans l'apprentissage continu. Et ce mois de Ramadan est un mois où on doit remettre les pendules à l'heure. Où on doit revenir à ce comportement du salaf. Salaf Saleh, le pieux prédécesseur au sens noble du terme. Qui était dans le respect. Qui était dans l'amour du prochain. Qui était dans le conseil avec bienveillance. Qui était dans le respect de l'altérité. Qui ne se précipitait pas pour exclure les uns et les autres. Donc méfiez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, de ces voix qui nous éloignent les uns des autres et qui divisent déjà, on est déjà divisé, ils nous divisent davantage. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réforme intérieurement, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce mois de Ramadan, pendant ce mois de Ramadan, nous libère des joues de nos passions, de notre ego. Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'orgueil et de toutes les maladies du cœur qui nous voilent la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le respect de l'altérité. Allah azurna ihtiram al-mukhalif. Azurna ta'ayush ma ikhwanna ou akhawatna sawa al-khalafuna ou wafakuna. Allah ya arham al-rahimin azurna al-mahibbata fima binana fik. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour entre nous, en lui, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à donner le conseil avec amabilité, avec bienveillance, avec douceur. Allahumma zqna tanasur fi ma baynana bi al-husna bi kalima tayyiba billi ya arham ar-rahimin ya rabbal alamin. Allahumma zqna al-hikmah wa biyut al-hikmah faqad utiya khayran katira. Allah tabaraka wa ta'ala donne la sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur ces principes, sur ces valeurs nobles, sur cette sagesse, sur ce respect de l'altérité, que Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à s'occuper de nous-mêmes et de nos familles et à adopter un programme pour ce mois de Ramadan, pour se rapprocher de lui, que Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à nous déconnecter du virtuel et à nous connecter à Allah tabaraka wa ta'ala pour ne pas perdre le temps précieux dans cette station d'approvisionnement magnifique qui est le mois de Ramadan. Allahumma ja'alna al-utaqa fi hadha ash-shahr. Nitlab minna ad-du'a. Allah yashfi mardana. Allah ya'afi mubtalana. Amin. Allah yarham mutana. Allah yahdi shi mushkil. Allah yahlul lana ma yafarq bina wa ahdi likul hadin minna ma nawa. Wa bi tabi'at al-hal kandu'u ma'a ikhwanna wa akhawatna fi Ghazza. Ghazza al-jariha. Ghazza al-madluma. Ghazza allati asbahat al-yawm maqbara. مقبرة يعني بما تحمله الكلمة من معنى. نطلب من الله عز وجل والقادر على كل شيء أن يغيثه. يا مغيث، يا جبار، يا قادر،
اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا فرج إلا فرجك. فرج عنا كل هم وغم وكربة يا من بيده مفاتيح الفراج. اكفنا شر كل من يريد ضرنا اكفنا شر كل من يريد ضرنا من إنس وجان وحاسد وباب وادفعهم عنا بيدك القوية وادفعهم عنا بيدك القوية إنك القوي العزيز إنك على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على من بكثرة الصلاة والسلام عليه تحت الأزار وتنال منازل الأبرار وتستجاب الدعوات وترفع الدرجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.